Allez. Et merci beaucoup. Bonjour la petite Bates. Ah, salut cher Mathéos, merci pour l'argent. Merci pour l'argent. J'ai une idée. On en est où ici? Non, 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 rien. Là-dedans, il y a quoi? Il y a rien. Là, il y a la bouffe et les trucs un peu au pif. Là, les trucs un peu rares. Et là, encore du matos. Non, j'ai pas encore commencé à chercher de comment chanter. Déjà, j'essaie de... Merde. J'essaie d'avoir un truc sympa. Hein? Gagner des points pour jouer à un jeu PC. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Avec notre super accès. Il est où mon super accès? Qu'est-ce que quoi? Attendez. Ah non, il est là. Je me disais justement. Non, pas de pioche en diams, hein. J'aurais pas de pioche en diams, hein. On a dit stuff fair max, on comprend stuff fair max. L'or est accepté, de ce que j'ai compris. Donc déjà, ça va, ça aide. Oui, il est logique que je puisse y avoir accès, mais bon, on sait jamais. Moi, oh, j'ai encore beaucoup de verre, donc c'est bon. On va se prendre un four avec nous. Table de craft, des coffres. Allez, let's go. C'est juste mon accès qui est un peu pourri, je trouve, mais bon, ça, c'est un avis. Alors, bien sûr, j'ai de la cobble à plus savoir quoi en faire. J'ai des bâtons à plus savoir quoi en faire. Oui, voilà, durabilité en papier aussi, ça aide. Alors.
Ah mais il y a les vraies musiques en plus. Oh bah c'est parfait. Oula, qu'est-ce que... Ah oui, bah oui. Ah bah oui, bah je... Bah génial! Free Sandstone, là, on dit oui. Cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Ah putain, j'ai fait ça à 10. Trois, quatre, cinq. Voilà. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Putain. Deux, trois, quatre. Merde. Deux, quatre. Ok, ça c'est bon. Maintenant. Alors, c'est par où? Parce que le plan, il est assez simple, mais c'est juste que la baraque est là-bas. Et vu que j'ai fait 1, 2, 3, 4... Vous allez voir ce que je suis en train de faire. Hein. C'est un plan de génie du mal. Vous voyez. Alors. Merde. J'en ai jamais assez. C'est merveilleux. Ah mais je vous dis, hein, c'est un plan réfléchi. Ah bah tiens, fallait bien que ça pète un jour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 'Un plan mûrement réfléchi pour notre héros dans sa quête d'installation personnelle. Par contre, c'est vrai que... un peu dommage que j'ai pas de vrai install, de vrai accès plus sympathique que cette espèce de merde là. Faut qu'on y réfléchisse. Hein. Sinon, pourquoi je me fais chier à faire ça là alors que ça tombe littéralement... Attendez, il y a combien de blocs? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah oui, ça tombe clairement là. Bon, bref, on va voir. De toute façon, là, on a du matos en général. Ah là, vous êtes là pour vous faire chier, hein, je vous le dis.
C'est vrai que j'ai pas prévu le fait qu'on puisse me rejoindre, j'avoue. Et déjà, l'idée de base rend ça assez stylé, je trouve. Donc là, je suis un oreiller. On va chiller. Juste un acquis de conscience. C'est vrai que d'habitude, je suis plutôt du genre à m'installer dans des grosses montagnes, me faire des trucs assez stylés. Et là, j'avoue que j'ai plutôt joué la carte de la de l'île. De l'île perdue à la con. De mon avant-dernier stream. Oh putain, alors les nouveautés que j'ai eues, ouais, je vais essayer de voir ça. Putain, je suis aussi loin que ça. Je vais essayer de voir, ouais. Ah d'accord, c'est pour ça. Ok, c'est bon, j'ai la réponse. Viens par là, toi, la dirt. Quoi qu'en vrai, j'en ai besoin de la dirt. Mais je vais te montrer ça, ouais. De vous dire, c'est pas logique ce qu'il fait quand même là, il fait de la merde. Là on montait, et vraiment, ça veut dire qu'ici on peut descendre. Parce que là il y a eu la montée, il y a eu cette montée là, ce qui fait que c'est ici qu'on descend. J'ai juste essayé de faire ce que je voulais. Et puis je vais essayer de rejoindre tout ça. On a tenté de on a tenté d'ouvrir cette zone qui en fait s'avère être de la merde, donc on a abandonné l'idée parce qu'en fait c'est rempli de grottes vénères englouties.
À côté de ça, on a monté un petit peu tout ça. On a remplacé par des feuilles, mais ça, c'était peut-être déjà le cas. On a augmenté cet espace-là, et puis j'ai à peu près fait le tour. Putain, par contre, là, on n'est pas à côté, quoi. Dingue. Quoi qu'on commence à descendre, il faudrait que je fasse un grand tout droit à un moment donné. Combien de blocs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Donc 10 blocs à partir du trohu. Je sais pas si t'avais vu quand j'avais fait le petit cabanon pour la zone de farm. Donc, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, merde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 10. Là, je devrais être bon. Bon, après, je suis en train de... Comment dire? En vrai, on s'en bat les reins, mais c'est juste que... Bizarre. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça devrait être là alors. De toute façon, on travaille ici les trucs, mais... Sinon, ce qu'on peut tenter... Ouais, non, je pourrais tenter des trucs, mais bon. Quoi, je sais pas à quoi ça sert juste en regardant ton stream. Sérieux? Bah, c'est cool, ça. C'est ultra cool, ça. Ah! C'est bon, j'ai trouvé. Ok, j'ai trouvé cet accès-là, c'est cool. J'étais si proche en fait, hein. Tu m'étonnes, j'ai dû passer en dessous par erreur. Ah bah oui, je suis complètement passé en dessous. Ah voilà. Oui, je suis vraiment tombé en dessous, quoi. Alors, est-ce que j'ai de l'andésite à plus savoir comment faire, donc on va...
Mais je sais même pas comment t'as fait pour avoir des codes Minecraft juste en regardant ma chaîne. J'ai pas de partenaire particulier, je crois. Ça, c'est la suite. Ça, c'est le point de croisement. Voilà. Bon. Maintenant que ça c'est fait. Ah mais on revient ici. Ah bah tiens, on retrouve ma fameuse cave nulle. Merde, je vais mourir. Non. Voilà. C'est sympa comme ça. Et puis en fait, oui, mais ça, je crois que tu l'avais déjà vu. Et où t'arrives et là, boum. Ça m'a l'air, ça, franchement, ça a l'air sympa vu comme ça. Hein. J'ai mis où l'entrée de ma truc? Bah merde, elle est là. Bah en plus elle est là littéralement. On pourrait la mettre plutôt ici. Merde. Voilà. Là, j'ai ma petite cabane nulle. Oui, en changeant de type de bois, mais j'ai pas assez. Pour l'instant, je travaille avec le matos que j'ai, c'est-à-dire pas grand-chose. Boum. En fait, on va s'en faire deux et trois. Et d'avance, on va s'en faire deux en plus de ça, parce que j'en avais besoin de deux. Bon. À moi, le joli filon, hein, quand même. Abusé.
Merde, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Oh, ça, on peut s'amuser à faire un délire comme ça, hein. Voilà. Ça peut être rigolo. Bon, maintenant que ça c'est fait. La deuxième partie de notre plan machiavélique. Merde. Ça, c'est pas si dérangeant ici. Plaisir de jouer à Minecraft quand même. Non, on me dirait, mais Jean, pourquoi tu changes pas pas d'autres matériaux aussi? On va aller à la route. Bon, on va l'encadrer en plus, on n'est pas con. Alors ensuite, encore de la sandstone, hein. Bob Lennon sort de ce corps. Parce que j'ai commencé à faire une voix d'asière. Dis, comment qu'on fait, dis. Ah ben c'est là que ça. Je comprends pas. Edgy, tu peux faire une route comme ça. Et ouais, c'est Billy, bonsoir. Tu peux faire la voix des... Oh, bah, c'est pas juste. Voilà, je parle comme ça. J'en ai marre. Puis que puis voilà. C'est pas non plus des trucs de fou, quoi. Du froc au spif, on en a... Ah, peut-être que je vais me refaire du... Je vais me faire des torches. La voix des... Scooby, et salut. Dans le pauvre, quoi. Bon, on a quelque chose de sympa pour le moment. Par contre, ça veut dire qu'on va devoir réduire tout ça en cendres. Quand même faire par acquis de conscience dès le début. On va respecter ce que j'ai fait. Tiens, il n'y en avait pas ici? Amusant. Voilà! Ça, on va avoir quelque chose de... Putain, ça va être long. À... Là, je suis vraiment juste en train de m'amuser à faire de l'espace. Hein. Espace. J'ai dit que c'était soirée de chill en plus, hein.
Tiens, ça a rien à voir, ça a rien à voir, mais j'ai commencé à regarder la suite de Initial D MF Ghost, espèce de suite. Enfin, c'est une suite dans la timeline, mais c'est très cool à regarder. Moi, il y a que deux épisodes qui sont sortis. Évidemment, c'est ces petits salauds qui, dans le premier épisode, me calent rien d'intéressant. Dans le deuxième, commence à mettre des trucs cool, puis s'arrête là, quoi. Non, c'est assez cool. Merde, j'ai rangé mon verre. Con, moi. À peu près ici que ça change, ouais. Bah, musicalement parlant, oui, parce que allez, on va quand même enlever le bouclier parce que pour l'instant, ça va. Avec l'Eurodance, l'Eurobeat. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre, mais pour l'instant c'est sympa. Ouais, après je peux comprendre qu'un demi-épisode, bon, ça convienne pas à tout le monde. Ça reste particulier aussi, hein, en soi. 1, 2, 3, allez, let's go. On en fait 3 dire. On a foutre. L'OST qu'on entend, c'est une OST officielle de Minecraft. C'est OST, c'est l'OST de la bêta, je crois, de C418. Parce que tu avais l'album alpha avec ta 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 ta. Et là, il y a la bêta aussi, donc la bêta de Minecraft, hein. C'est une OST officielle qu'on entendait parfois en intro. Donc il y a un mélange de musique officielle et de musique non officielle. C'est une playlist que j'ai pour au pif qui s'appelle Chill Minecraft Lofi Hip Hop Mon Cul. Alors mon cul est de trop. Mais voilà, ouais, on va se poser un peu comme une merde parce que... Hein. Ah, déjà ça rend sympa. Par contre, le gros défaut ici. Merde. Ça rend bien. Ce qui est le plus chance d'avoir quelque chose de cohérent. Lofi mon cul, bah yes, oui. Ça peut être très rigolo.
C'est vrai qu'en fait, je me fais chier à faire le. Mais non. Justement, l'intérêt, ça va être de mettre du sable au sol. Ouais, je sais qu'avec un stone... Mais j'en ai un, je crois, de Stonecutter. J'en ai pas tiré un dans le village. Tu me laisses un... Tu me fais faire... Tu me fais avoir un vieux doute. J'en ai pas tiré un de Stonecutter. Ah, hein? Bah... Ah non, j'ai tiré un Brewing Stand. Oui, mais ça fait des jolis blocs avec tout, hein. Tu peux même en faire toi-même, mais... Pour l'instant, on la joue sobre. Sobriété. En fait, si tu pars de la sandstone, derrière t'en mets 4. Et là, t'as de la cut sandstone. Tu peux aussi faire ça, sauf que. Je sais plus si le ratio. Je crois que là. Avec le stone cutter, tu peux avoir un meilleur ratio sur des objets. Sur des items. Mais j'ai un vieux doute là-dessus. Bref. Ça m'aidera peut-être dans des plans futurs, hein, tout ça. Je veux vraiment faire tout ça, hein. Alors, merde. Merde. Voilà. J'en ai quelque chose de plus sympa. Non, faut juste qu'on rajoute un peu d'homogénéité. Ah, tu m'emmerdes le jeu.
Et Ephraim. Pas très écolo en ça, mais justement, on réutilise du sable pour l'occasion. Oh, ça m'a énervé. Je vais pas me laisser faire un peu ce que je veux là tout de suite, non? Enfin, en vrai, comme ça, c'est déjà bien. Hein. Ça rend déjà bien, même si c'est pas toujours égal à gauche, voilà. Ou à droite, selon le sens. C'est quoi le plan? Bah, jouer. C'est faire ce que j'ai fait là, c'est-à-dire un passage souterrain reliant cette petite maisonnée qui me sert de point de farm de matos, de matériaux sous terre, à ma baraque. Bon. Maintenant que ça c'est fait, c'est déjà bien. La vraie question, c'est surtout. Hey. Ouh, il y a du matos là. C'est full ok, ça. Ça c'est bon. Ah oui, bah oui, ça c'est bon. Ça c'est bon aussi. Ah oui. Balancer ça là-dedans et puis voilà. Le plan, c'est surtout de s'installer. Surtout ça, le vrai plan. Par contre, on va peut-être faire autre chose. Combien il me reste de bois en vrai? Parce que mon plan là, il était pas mal, mais en vrai, j'ai peut-être mieux comme plan. Du bois, du bois. Oh, bah, j'en ai plein des oak planks. J'ai les escaliers en masse. Ouais. Bah, c'est une petite extension de maisonnée. En vrai, non, mon idée, elle était. Non, mon idée est merdique. À moins que. À moins que. Peut-être en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, Jin? Jin, il a des très bonnes idées. Je remplis pas le champ, mais j'ai pas le matos pour remplir le champ. C'est drôle. Je remplis pas le champ, bah donne-moi les items pour remplir le champ. Là, le problème, c'est que j'ai pas assez de là, c'est tout ce que j'ai en carottes et en betteraves et en patates, c'est tout. Qu'en soit le.
Les graines, je les replante pas. La seule chose que je replante pas, c'est mon blé qui est là parce que j'en ai déjà plein. Et la beetroot, bah, elle est déjà vénère, ouais. Ah, j'ai encore une hache, ça va. Pourquoi tu casses tout, Jean? Pourquoi pas? Ah, ça c'est pas de l'info chat, je crois, hein, la beetroot dans ta zone de seed. Je crois pas que ça soit une info chat, ça. Je crois que c'est une vraie info. Ah non, red die, dommage. C'est une info chat, voilà. Première info de chat sur le jeu, c'est bon, confirmé. Et bah merci, hein. Que j'ai du verre là-dedans. On va mettre de la sandstone en attendant. Ah non, je suis con, je vais mettre juste du bois. Ce passage n'existant pas à l'origine, il disparaît. Allez, un peu de lumière, bon j'ai plus accès à mon... J'ai plus accès à mon habitation par contre, ça c'est dommage. Comme super stylé comme ça. Hein. Thank you.
Voilà. La fin du HNS, c'est quand j'aurai battu l'Ender Dragon. Et pour battre l'Ender Dragon, faut d'abord que je m'installe. Ah. Bon. C'est à peu près le plan de base, en fait. Moi, j'ai déjà l'idée pour la baraque. Ici, c'est fait. Ici, je crois que j'ai réglé les infos. Ouais, exactement. Mais bien, bravo. C'est merveilleux. En plus, il pleut. Bon. Oui, voilà, oui. Non, 2024, avant 2024. Pas d'Ender Dragon avant 2024. On est que début octobre. Non, on est que mi-octobre. Ok, bon. Là-bas, c'est fait. Ici. Base de Subnautica. Bah c'est ça quoi, y a pas besoin de se forcer à faire quoi que ce soit. Ça qui est bien avec Minecraft. Vous savez, hein, vous me connaissez, moi j'en avoir ras le cul et puis je vais dire bah j'en ai marre de jouer à ce jeu là, donc on va rush la fin et puis basta. Je vais y aller avec 82 lits sur l'Ender Dragon et puis ciao à ciao bonsoir. Oui, non, la strat est pas aussi aisée, mais l'idée est là, quoi. Putain, j'ai vraiment pris le... J'ai vraiment tout fait pour être nickel pendant que je faisais ça, hein. Ça rend bien. Oh merde, par contre. Ah bon? Vous trouvez qu'elle fait baisser les FPS la pluie? Non, bouge pas mes FPS. Du moins, j'en ai pas l'impression. Bon. C'est bien, j'ai des escaliers de rab. Ah, merde. Ah non, faut que je commence de un plus loin.
Quoique. Pas un monde où on pourrait faire quelque chose. Ah ouais, ça allait bien, moi. Le stream va mieux, d'accord. Faut bien montrer qu'on a... Ah bah t'inquiète hein, si tu veux. Bah c'est le même, c'est l'album bêta aussi. Non, là sur un CD, ah bah oui, en plus sur un CD, bah oui. Et bah bon déplacement. Allez, voilà, on a créé la nouvelle dépendance. Ah putain, par contre, j'ai aucune solution pour monter, au secours. Ah mais si, mais je sais.
Oh, j'ai fait une entrée à 4, alors j'ai juste besoin d'une entrée à 2. Est-ce que je suis un énorme débile? Oui, un petit peu. Voilà. Par contre, le seul défaut, c'est que ça tient par la force du Saint-Esprit maintenant, cette connerie. Quoique. Oh mon dieu! Oh nom de Zeus! Oh la loose! Oh la loose internationale! C'était le bloc qu'il ne fallait pas placer. Ah putain! Ah sérieux? Vraiment le jeu qui me donne ce moment un petit peu gênant où tout s'est cassé la gueule? Pas grave, on a des solutions. Voilà. Maintenant, on va utiliser la bonne vieille sandstone. Voilà. Moi, l'impression que c'est un trou d'eau cette histoire. Ben voilà. Merde. Ça en vrai on peut le péter, non? Non, on peut pas. Dommage. Ah mais voilà, au moins on a cet accès là qui existe. Petit problème de droit aussi, attendre sur la même nuit, mais c'est remis en place, bah, bien joué. Non mais voilà, on a une nouvelle. Pour les gens qui se diraient ouais mais les ennemis. Bah voilà. Oh ben voilà, au moins c'est bien ça. On a fait une légère extension à tout ce bordel et puis on est content. Alors. Donc il va nous falloir... Oh putain, plus évidemment, j'ai plus de matos qui me... Oh, si, j'en ai encore plein. Donc il va me falloir... Tac. 1, 2. Ça c'est bon. Et ensuite il va m'en falloir... 1, 2, 3. Voilà. C'est pas le plus beau, mais je fais avec ce que j'ai.
voilà. Ça a quand même plus de gueule. Bon, après, j'ai fait mon extension de 2 km de long qui, pour l'instant, ne va me servir strictement à rien. Mais c'est sympa. Allez, on va aller jeter tout ce qu'on a là-dedans, là, qui ne sert à rien. Ça a de la valeur, ça un petit peu aussi. Ça. Ça peut. Ah, tiens, j'en avais là aussi. Ah, j'en avais encore une de jungle. Ça, tout ça. Là, j'ai juste mon inventaire pour être nickel. Mais sur place, du même type de bois au niveau de la sortie de tes barrières. Oui, mais le problème, c'est qu'il m'en faut 4, donc. Et une petite extension. Hein. On dit bien petite extension. Qui est petite. Sur des enfers. Là, on a ça qui nous sert strictement à rien, mais au moins, comme une meilleure gueule. Bon, on ramène notre épée. Peut-être faire un premier déménagement. On va commencer à faire nos déménagements. Ah, j'ai qu'un coffre. Bah, génial. +2, tu en mets pas devant. Plutôt voir que les mobs puissent passer pour une des deux. Ah! Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Ce genre de barrière-là. J'ai pas compris que c'était celle-ci dont tu me parlais. Petite table de craft. Là, les petites salles des coffres au fond, là. Oh, mais quel génie! Merde. L'ai pas eu. Bon, ouais. Petit moustique de merde. Alors. On va mettre les classiques. On va mettre les trucs un peu plus fancy. Pour le moment, on rend les trucs encore annexes ici pour l'instant. J'ai pas d'ordre de rangement en vrai, hein. J'y vais vraiment la barba. C'est un peu ça, ouais. Vivant que le froid vienne foutre la merde là-dedans. Sand, dirt. Dans le bois, on va garder un coffre spécial bois. J'ai même pas besoin d'aller creuser plus profond, ça. Là où ma sandstone, là, j'en ai vu 4 qui se baladaient. Voilà. Ouais, j'aurais pu faire un petit tournant.
Oh, j'ai une idée, on va rigoler, tiens. On va la mettre ici pour le moment. Ce petit coffre nul de côté. Ok, maintenant le coffre rempli des autres conneries. J'avais pas vu que j'avais un peu peur, tiens, là-dedans. Alors, ouf, tiens, j'ai carottes et wheat, beetroot, de la viande. Donc tu l'as eu quand tu as pêché. Ah oui, c'est vrai, j'ai pêché. C'est vrai qu'il s'est passé ça à un moment, j'ai pêché dans le jeu. Qu'est-ce que j'ai dit qu'il y avait là-dedans que j'étais en mode, waouh, il y a ça. Ouais, du bambou, du kelp, un peu tout ce qui est lié à ça, là, on s'en fout un peu. C'est vrai qu'on va peut-être aller pêcher, un petit peu. On va se bouger le cul. J'ai encore plein de Birchlab, cool. Ça, tiens, j'ai des stones aussi. Tiens, mais ça, non, pas la crafting table. Pour l'instant, les trucs qui valent du pognon là-dedans. D'écrire avec mon pote. Ah bah oui, bah ça, hein. Ça c'est de la merde, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Des champis, bien sûr. Ah, j'ai encore des beetroot seeds, j'avais pas vu. Sugarcane, on peut le mettre là-dedans. Voilà. Commence à avoir une grande majorité de notre matos là où il faut. Allez, là-dedans.
l'instant, ça ira comme ça. C'est intéressant ça comme info. Bon. Ah, le breaking, mon fishing rod de breaking 3. C'est sympa comme ambiance. Hein. Voilà. Pas con ça, c'est pas con. Sans faire. Ah merde, allez, maintenant j'ai tout le matos qui est là, c'est bien. Maintenant on va tester l'efficacité de notre nouvelle arrivée là-dedans. J'ai encore quelques barrières. Ah bah tiens, cassage de gueule again. Cette zone qui ne veut strictement rien. Oh putain. Au moins c'est bien ici. Hein. Le jour où je m'attaque à cette zone, j'ai de quoi faire. Hein. J'ai un vrai trou d'eau, mais bon. Allez, on va essayer de voir si on peut pas pêcher les trucs sympas là. Oui, c'est vrai qu'il y a... Oui, pas con. Que de bonnes idées. Pierre rend bien cette baraque, hein. Ah, le lieu est bien, le lieu est bien. Où c'est que je suis pas parti encore? Je suis arrivé de là-bas. Merde, d'abord, il faudrait peut-être que je mange. Où je suis pas allé visiter en... si, en fait, je suis arrivé de là-bas, mais il faudrait que j'aille visiter de là-bas.
Ce qui est bien, c'est que je peux regarder un peu ce qui se passe et à l'oreille, j'entends. J'aime bien une petite maison de temps en temps. À deux doigts, elle tue une tortue pour récupérer un casque. Poser ça là-dedans. Qu'est-ce qu'on a là d'intéressant? Rien. Bon, on va aller faire les. On va s'occuper de nos ressources. Voilà. J'ai encore un petit peu. J'en ai vraiment beaucoup trop. Ça peut partir là. Ça, on va le récupérer. Ben voilà, nickel, on a du pain. Juste aller voir ce qu'il y a dans le coffre là-bas. Que si ça c'est là, ça veut dire que. Ah oui, on peut se faire une entrée aussi. On peut se faire une deuxième, une entrée annexe. En fait, on peut se faire un délire du genre je commence à creuser là et let's go. Bon, j'ai quoi là-dedans? Ah, j'ai de la dirt. Ouh. Non, mais ce qui est bien au moins, c'est qu'il y a une vraie. Il y a ce petit coin pour le bois. Je veux dire, voilà, on n'a pas non plus ruiné la nature. Ah, voilà, on va commencer à se préparer pour une petite expédition. On va aller est, nord-est. Tiens, je vais me noter quelque part quand même mes coordonnées de mon chez moi là. Un petit stylo, oui, j'ai un petit stylo, j'ai un petit bout de papier, j'ai un petit bout de papier. Je suis en 3400. Putain, 3424. Ah ouais, ok, on en est là. J'ai quand même fait un peu de chemin, hein, compas, parce que normalement le spawn doit être à 0, 0, 0. Ah oui, 2559.
Et ben voilà. Spo. Maison. Voilà. Comme ça, on n'est pas des animaux. Salut Nathan. Comment qu'il va? Comment qu'il va? Ça va. Petit Minecraft dans la chaîne S. Jouant. Ah merde, j'ai oublié de préciser dans le nom du stream. Tirer solo. Voilà. C'est vrai que j'ai oublié de le préciser ça parce que. Je suis en Minecraft aussi. Ah bah bravo. Bah, moi aussi, mais bon, tu vois. Dans mon coin. Mon bateau. Yo bateau. Je vais au bateau. Mon shield, bien sûr. J'ai mon bateau, j'ai ça, un petit peu de ça. Un peu de bois, même si pour l'instant j'en ai pas l'utilité. J'ai pas une table de craft qui traîne, il faudrait que je la prenne à celle-ci avec moi. Me prends un four en plus. Ah d'accord, ok, il y a un item pour... Tes graines en trop en poudre d'os, sérieux? J'ai un peu de paix. Est-ce qu'il me faut autre chose? Ah, un peu de cobble, on sait jamais. On va se prendre un peu de sable. Un peu de sable, un peu de cobble, un peu de dirt. Et puis on est bien. On est prêt à partir en petite expédition, hein. Dans le jeu, donne-moi un peu de flotte, là. Merci, voilà. Voilà. On est prêt à aller se balader. Allez, direction l'est. En vrai, c'est tellement stylé, je trouve, la vue de ma baraque là-bas. Oui, quand même, hein. Stylé cette petite baraque au loin. On va faire, c'est qu'on va descendre ici, on va partir clairement sud-est, c'est ça, hein? Non, nord. Ah oui, nord-est, pardon, je suis idiot, moi. Ton perso zombifie un peu, non? Comment ça? Ah non, c'est mon perso, c'est un skin que j'ai depuis l'Empèbre. C'est un skin qui date de la nuit des temps, ça. C'est un skin de 2000, 2014? Non, 2013! Attends. 2013, oui, 2013. Non, c'est que c'est. En fait, c'est un skin de Vincent. C'était un Vincent Valentine de FF7. Tiens, j'ai une idée avec les moutons. Enfin, le jour où j'ai besoin de ramener des animaux chez moi, par contre. On va espérer que ça spawn, hein, je vous le dis. Ouais, nickel, j'esquive. Oh. Du miel. Mais c'était un skin de Vincent Valentine que. Merde, comment il s'est. Ah, oh, salut tout le monde. Volgulk? Volgulk? Attendez. J'ai son pseudo en tête, mais. C'est ça, Volgulk.
m'avait reskiné, redécoré exprès pour une émission, bah, mon premier stream sur une web TV sur Minecraft. Wouhou! Il y a du monde là-dedans. Et ça date de 2013 parce que j'étais encore à la fac. Donc c'est ma première web TV à l'époque, quand j'étais sur le live play Minecraft. Ça va être un bordel là-bas. Oh mon Dieu. Ouais, j'ai toujours ma petite cabane que j'avais. Oh oui! Attendez, j'ai pas déjà visité celui-ci de village? Oh, un village direct. Et donc pour l'émission, moi j'avais le skin. Il y avait le skin original que j'avais recolorié en violet à l'époque. Et il m'avait fait cette version, si j'enlève tout le stuff. Alors que j'ai dû retravailler, je crois, parce qu'il y a des éléments. Mais en fait, il me l'a fait en version jungle survival. Oh, des citrouilles en plus. Bon, j'en ai déjà plein, mais quand même. Ah, un petit village comme ça, gratos. Il n'y a pas un petit temple tant qu'on y est. Un petit temple perdu et compagnie. Oh bah, oh! Ah ouais. On est sur ce genre d'ambiance. Tu sors de chez toi, il est 10h du mat, boum. Pardon, il est 8h du mat et boum. Oh putain, le petit village là. Allez! Un truc. C'est quoi ça? Attendez, ma curiosité va me faire défaut 2 minutes, mais. Oh putain, oh, c'est un village vénère en plus. Pourquoi il y a ce bloc-là en plein milieu? C'est de la clé? Oh, c'est de la terra. Qu'est-ce que ça fout là, de la terracotta, sérieux? Il y a des vaches. Non, des chevaux. Bon, bref, bon. Voilà, c'est. Bon! Village gratuit, village gratuit. Ah, beaucoup. Trop de trucs. Alors, bonjour! Oh oui! Oh, les heures tuniques, on s'en fout. Les heures tuniques. Les heures tuniques. Bon, que de la merde. Non, il y en a beaucoup des... Cassez-vous. Des heures cap et compagnie. C'est ce que je pense. Ah non, Smoothstone. On va faire un peu nos courses, hein. Ah. Non. Non mais c'est quoi ce village de Clodo? Veux dire, il est sympa le village, mais quand même, y a rien. Ah, oh si, si. Fletching table. Oh, bah toi, donne-moi ça déjà. Pas un petit coffre. Y a rien. Oh, c'est vraiment la loose, hein. Coucou, fouille.
La terracotta comme ça. Ah putain, merci. Composteur, ok. Merci Noxo, comment vas-tu? Bonjour, au revoir. Quoi, tu vas sérieusement m'attaquer? Viens, viens, vas-y, viens. Non? Bah, fuck it. Ah, c'est une ruine, ça, vraiment? On a piffé. Oh, bah tiens, il y a le golem. Bonjour, qu'est-ce que vous vendez? Qu'est-ce que vous achetez, monsieur? Recode call. Bon, là-dedans, il n'y a rien, on sait. C'est la légende urbaine, le truc. Oh. Merveilleux. Je comprends pas pourquoi il y a ça. Et j'ai entendu un miaou. Bon. Ouais, proche de leur plantation. T'as vu des plantations, toi? Moi non, hein. Donne-moi ça, là, les ballots de laine. Ouais, les ballots de laine, je suis con, les ballots de paille. Putain, mais ils en ont combien, là, des... Putain, il y en a combien, des baraques? Ouf, oh, ça, j'aime bien. Oh, bah oui. Bon, tout ce qu'il y a là, mais début de la richesse, quoi. Ok, ça, c'est bon. Faut que je retourne au coin où il y avait la terracotta aussi. Casse-toi! Et là, il y a quoi? Ah, ben, par... Ah, je suis déjà plein. Ah, putain, je suis déjà plein. Tout le stuff, on s'en fout. En vrai, même ça, on s'en fout. Voilà. Oh, du fer. Oh, c'est gratuit, Land. Putain, le petit gisement là. Non, mais le village est grand, mais ils ont pas de plantation. Bon. Noxo qui me dit que c'est une ruine. Ah. Alors c'est par là. Ça on a visité, hein, on est d'accord, oui. Quand même se faire un petit coffre s'il y a beaucoup trop de matos. Alors, ça va être le coffre spécial, on met de la merde dedans. Ça peut dégager, ça peut dégager. Ça en soi, on s'en bat un peu les reins pour le moment. En vrai, je vais te mettre tout ce que j'ai loot dans ce coin-là pour l'instant. Ça, on se le garde. Non, ça, on va garder vraiment notre stuff principal. Voilà. Ça tient plus des blocs empilés, mais il y a du loot à trouver normalement. Ah ben, on va aller voir ça. C'était là. Ah!
What? C'est de l'archéologie? Comment ça, c'est de l'archéologie? Ah! C'est ça! Que peut-être pas. Ah non, Black Glazed. Ah, mais attends, il y a peut-être un truc alors. Il l'a dit, c'est là 1.20. C'est quoi ces claques là que j'entends? Ah! C'est quoi ça? Ça serait ça là? Alors? Archéologie. Et merci Ridley pour les 50. Merci pour les 55 mois de sub. Ça creuse ici, oui. Comment ça se fait le broche? Scissor, copper ingot, stick. Ah bah oui, bah génial. En fait, je suis en train de péter un truc qui est intéressant. Ah oui, donc au final, j'ai fait un peu de la merde. Quand ça pète. En gros, c'est intéressant, mais pas maintenant. Bon. Tiens, tiens, tiens. Tiens, tiens, tiens. C'était bien, mais pas pour moi à l'heure actuelle. Pas grave. Parce que de toute façon, j'ai pas de copper sur moi. Bon. On va faire un peu le point de ce qu'on embarque avec nous et ce qu'on n'embarque pas avec nous, tout simplement. Alors, tout ça, on va le poser. Ça, ça, ça. Et ça. Alors, le Stonecutter, on le prend. L'Iron aussi. Les Books aussi. Ça aussi. Les Bay Ale, on s'en fout. Ça, on le prend. Ça, on le prend. Les barils, pourquoi pas. Les chaudrons aussi. Le Ching Table, why not? Le reste, on peut le laisser tel quel pour le moment. On s'en fout un petit peu. Quoique, j'ai de la clé. Elle est où la clé? Ah, elle est là, la clé. Clé Ball. T'as aucune idée de ce qu'est Minecraft depuis 7 ans. Moi, je me souviens qu'il y a quelques années, tu savais déjà pas ce que c'était. C'était quoi? C'était il y a 4 ans. Il y a 4 ans, t'avais déjà plus aucune idée de ce que c'était. Quand on avait fait le serveur avec Ganon. Ganon qui se porte bien, pour information, hein, pour ceux qui se demandaient. Traîne plutôt trop sur Twitch, mais on s'envoyait des messages il y a quelques temps. Il était en train de voyager, ou il avait comme projet d'aller.
Il avait comme projet d'aller. Oh bah tiens. Eh oui, ça a existé. Il avait comme projet, je disais oui, il va faire normalement le Nouvel An au Japon cette année. Il m'a dit. Tout content. Je suis tout content pour lui. Y a pas un petit coffre là? Ah oui. Oh oui. On dit oui, on dit oui. Curse of Vanishing, évidemment. Question. Le bloc d'or, je peux pas le récupérer avec ma pioche en. Ma pioche en pierre nulle, hein. Ganon, le projet Corée de Ganon a eu lieu, hein. En vrai, je suis con. J'ai en plus j'ai pris j'ai je peux m'embarquer un lit avec moi. La Corée, il l'a fait, hein. Il l'a fait. Covid? Post-Covid? Covid? Pendant le... Non, post-Covid. Mais il a fait la Corée pendant plusieurs mois, il a étudié et tout. Il a fait des trucs. Mais ouais. Mais il l'a dit lui-même, hein, qui était plus sur les réseaux, tout ça. Qu'il avait beaucoup délaissé les réseaux et compagnie. Mais ça a l'air de bien se passer dans sa vie, hein. Pour ceux qui se souviennent, il avait fait une. En plus, en allant en Corée, il avait fait une grosse. Il avait fait beaucoup de sport et tout, grosse perte de poids. Ah bah oui. Il a fondu. Il a littéralement fondu à un moment donné. Alors je crois que c'était pas là qu'on appelle ça. C'était pas pour raison, mais il a pas eu de soucis médicaux, quoi. Loin de là. On a dit qu'on allait où, nous? On allait nord-est, ouais, c'est ça. On continue un petit peu nord-est, là. On a du matos, on a de quoi faire. Pourquoi des zones éclairées comme... Ah! What? Petit truc éclairé là, c'est des coraux. Au bas! Des maisons. Hein? Attendez, c'est ce que je pense là en bas. Oui, c'est ce que je pense. Ça, c'est des coraux, mais... Non? Attendez. Non, c'est que du corail et c'est moi qui fume des. C'est moi qui fume des trucs pas normaux. On va toujours au nord-est, c'est ça? Nord-est, ouais. Oh bah. Oh, on est sur une petite mer. Nord, c'était les copros. Des bails sous-marins. Bah oui, il y a des beaux sous-marins. Ça, c'était déjà le cas à l'époque. Alors, l'objectif de cette balade, c'est juste de trouver des trucs au pif. C'est de revenir les mains pleines. Moi, les poches pleines de matos intéressants. Beaucoup de crevasses. Beaucoup d'îles, hein, sur cette side. Vous avez remarqué la quantité de... Attendez, je viens de fumer un truc, c'est pas possible. C'est pas ce que je pense là-dedans. Non, ça va. Donc, le handicap, c'est le stuff air max. Ça, voilà. C'est noté à gauche, comme dirait Sir Mathéos. Et en dehors de ça... L'objectif de la balade, ouais, c'est surtout de faire un petit stuff, de trouver du matos qui peut être rigolo.
Mais ouais. Bah le stuff pair c'est le maximum que je peux avoir. Le soleil se lève là, donc on va continuer par là. L'objectif c'est surtout de trouver des petits trucs cool de ci, de là. Attendez, je vais au nord-est ou au sud-est? Nord-est toujours. C'est de voir où le jeu, ce que peut me proposer le jeu en fouillant un petit peu. Parce que mais comme je disais, c'est vrai que c'est vraiment une map très marine hein, que j'ai là. Comparé à ce que j'ai pu connaître par le passé, vraiment de la flotte à perte de vue. C'est bien la première fois. Non mais attendez. Là, il y a un peu de... Non mais sérieux? Et je suis à combien de blocs déjà? Je suis à 5000 blocs quand même pour vous dire. Je suis loin de chez moi, hein, je l'avoue. Non mais hey. Ah les dauphins! Vous en avez déjà vu beaucoup de... Mais attendez, c'est de l'eau à perte de vue. À terre. Terre! Vous avez déjà vu beaucoup des sites comme ça, remplis de flotte. Oh mon Dieu! Vous êtes sérieux? Je vais le noter. On vient de trouver un temple sous-marin. 5589, 62, 166 temples. Temple SM hein, pour sous-marin. Non, temple sous-marin. Eh! Non, mais sérieux. Par contre, normalement, on a le petit jumpscare dégueulasse là. Moi, j'avoue que je l'ai pas eu. Je suis assez content. Hein. Temple sous-marin, voilà. On a déjà des trucs à faire. Là, il y a... Ah, vraiment full nord-est, hein. Oula, c'est quoi ce whoop? On est toujours sur... Oh là. Toujours sur notre nord-est? Ah là, on est plutôt full nord. Ah, juste vérifier qu'il y a quand même quelque chose derrière. C'est assez plat, j'aime bien la zone. Mais non, mais ouais, donc assez proche. Mais pourquoi ça vous envoie des récompenses pour Minecraft? C'est dingue ça. C'est quoi comme récompense, tiens, que t'expliques pour les boomers comme Mathéos? Pas l'air d'avoir beaucoup de terre. Hein. Ah mais c'est vraiment... Je crois que c'est la map la plus... Ouais, est-ce que je répète? Je me répète, mais c'est la cité la plus aquatique que j'ai pu voir. Ah, qui s'est gonflé, petite. T'as un code, d'accord. Ah mais c'est dingue ça. Oh! Oh! C'est possible ce genre d'histoire? Ouah, c'était quoi ce... J'ai entendu un poum.
Mais attendez, c'est un vrai code ou c'est un MP qu'on vous avez reçu? Putain, j'ai eu quoi? Putain, j'ai eu des trucs. J'ai 4 4 carottes en or. 2 Golden Axe avec Bane of Arthropod. Tutsus. Et un protection 3 en golden. Je sais pas si je l'ai eu. Non. Je l'ai eu. C'est bon, j'ai tué le stick mou. Ah ouais. Ah, les notifs. Ah bah d'accord, bah c'est cool. Ah, si ça fonctionne pour certains, utilisez-le, hein. Un Minecraft Java gratos, on dit pas non. Hein. Si ça permet à certains d'avoir le jeu et pouvoir redécouvrir le jeu dans leur coin, ça reste quand même 30 balles, hein, je rappelle. On est où là? Toujours nord-est? Toujours nord-est. Et quoi, il est 22h05? Ah oui, déjà 22h. On va commencer à faire le... Faut que c'est un temple ou un truc, mais non. Minecraft est à 30 balles. Ah oui, je crois, hein. C'est pas le prix exact de... Je connais pas le prix exact de Minecraft, hein, mais... Je crois que c'est facile 30 balles maintenant, non? Pourtant, ça coûtait 5 balles et encore. J'ai connu l'époque où... Moi, j'ai connu l'époque à 10, 10 balles. Je crois que j'ai connu... Moi, je l'ai acheté, il était à 5 ou 10 balles. Et je crois que je dois avoir deux autres comptes dans la nature, mais qui n'est... Oh, bah, un village. Parfait, petit village sur la route. Eh. Franchement, on n'est pas bien comme ça? Petit village sur la route. Avec, bah, évidemment, du pain. Les patates, on s'en fout. On se débarrassera des trucs qui nous servent à rien au fur et à mesure, mais... Un brew stand. Non, faut pas abuser non plus, il n'y a pas des... Oh, c'est parfait, des pommes. Manger les pommes que dit qui disait Chirac. On va virer ça. Tiens, c'est vrai que j'ai pas vu que j'avais un. Ouais. Manger les pommes qui disait. Non, évidemment, il n'y a pas de. Ah, ah, faut chier. Oh, une saddle, gratos. Qu'est-ce que je mets à la place? On va virer les flints. Putain, je vais m'en récupérer quelques-uns, c'est gratuit. Non, là, il n'y a rien. Ça, je l'ai fait ou pas? Non, ça, je l'ai pas fait. Oh, de l'or. De l'or, monseigneur. Putain, je commence à galérer là. Bon, on va virer Golden Horse Armor, ça me sert à rien d'en avoir deux. Après, ce qu'on peut faire. Voilà, gagner de la place. Ah, bah, comme ça, on gagne de la place. Oui, les armures pour cheval, ça sert à rien, on est d'accord. Bon. Mais je trouve que c'est assez productif comme. Oh! Ah, on commence à avoir des bons trucs là. Cartographie table. Par contre, ça, je crois. Attendez. Alors, Minecraft Wiki.
Cartographie table. On va juste voir tous les usages. Lectern, je crois que Lectern table. Et ensuite, c'est quoi la dernière? Ah, fletching. Alors, cartographie. Blablabla. Donc les recettes pour... Donc ok, c'était pour faire des planches. Zooming out. Cloning T. Ouh, cloning carrément. Ok. Le lectern, c'est pourquoi? Third generation. Usage, holding book, changing profession. Ah, tourner des pages et tout. Ah oui, j'ai vu les délires avec les lecterns. Et la fletching, ça sert à quoi? Ah. Les fletchers, ça fait quoi? Ah, des... Ouh, d'accord, pardon, ok. Le bloc jean au niveau des plantations, comment ça? On a vu le fameux... Ah, ça, le compost! Ah oui, mais le problème, c'est que là, je commence un peu à être en rate de tout. Merde. Attends, je commence un peu à en avoir beaucoup, là. Qu'est-ce qu'on peut jeter? On va jeter le sable, allez, on jette le sable. On va aller récupérer ce qu'il me disait, et puis on va aller se coucher. Prends pas, ça se craft ici, easy. Sérieux? Bon. Si ça se craft easy. On va aller se coucher. Dégage là, c'est ma place, merci. Bon. On est parti vers le nord et l'est, maintenant on va vers le sud et l'ouest. Allez, direction plein sud. Je l'ai en combien en sud? Ah, en sud. En sud, je dois aller en 5000, en 3400. Putain, 3400 en sud. Et par là, je dois aller en 2500. Bah, il était bien ce petit village. On a encore un espace. Au cas où. Mais je trouve que ça a été une bonne visite. Avec des slabs pour le crafter. Ok, j'irai regarder ça. Waouh! Oh, ça a failli... Et le MLG était pas loin, hein, mais trop loin. Je rêve? C'est le nouveau biome. Bon, c'est le nouveau biome, je le connaissais pas. C'est le biome de l'update. Qu'est-ce que c'est en bas? C'est les cerisiers. On a trouvé les nouveaux arbres. Ah, comment vous dire que cette recherche a été fructueuse? Ah, l'ambiance Japon, ma gueule, hein, on va planter des cerisiers, c'est bon, c'est fini. Jaguren Wallaby. Le coin a l'air d'être incroyable. Attendez, pourquoi il y a la lumière en bas?
Ok, bon. Mon instinct de gamer me dit de ne pas y aller. Encore du tri, non? On pète des arbres et puis on récupère des... On récupère le matos. Je vérifie qu'il n'y a pas une arnaque. Quitte à se récupérer un petit cheval, là. Oh, je suis chaud pour me récupérer un cheval aussi. Aïe! Aïe. Oh, donnez-moi les cerisiers, là. Les cerisiers! Laissez-nous rêver. Ah, mais en vrai, la zone en soi... Merde. Ah bah tiens. Vous avez vu Reverse MLG. Oh, c'est... Je vois à quoi ressemble le bois dedans en plus. Oh bah en plus. Enfin, clairement, ça fait vraiment... Oh, la zone, vraiment, t'as envie d'y être. Hein. Y a pas un petit arbre... Putain, c'est vraiment des arbres enfoirés par contre. Ah, c'est du bloc rose. Ah, en plus, il feuilles de cerisier qui tombent. Et ça fait quoi? Oh, ça fait des cherry planks. Ouais, bon. Pas des masses, mais c'est pas grave. Au revoir, mes oak plank. Oh, le jeu, il veut pas être sympa, me filer un. Parfait, j'ai une pousse, ça me suffit en vrai. Ouais, bah, il y en a une deuxième qui est tombée là. Attendez, elle est là. Oh, ce. Clairement, la pépinière qui va naître. Allez, j'en ai trois, on se casse. On disait F5, non, pardon. Direction full sud et on allait en 2500 full sud. Ah, clairement, la zone est belle, hein. Attendez, c'est quoi ces fleurs-là? Ok, qu'est-ce qu'on lâche? On lâche rien en fait, hein, bah les couilles. Oh, mais il y en a encore, mais ça pousse vraiment en hauteur, c'est ça? Oh, la zone est... Ah ouais, vraiment, ça c'est vraiment zone... Ça fait vraiment typical zone Minecraft classique. Ça m'a... Ouais. Ah, on dirait vraiment la zone de Minecraft, les... à la genre vidéo de Fanta. Petite vidéo de Fantasio 974. Putain, mais t'es là, t'es bien. Oh là-bas, encore des trucs. L'eau du biome est bleu clair. Ah, peut-être. Je sais pas s'il y a vraiment des couleurs d'eau dans les biomes. Ça, par contre, je t'avoue que je suis un peu perplexe sur ce... Sur cette déclaration-là. Non, mais bon. On arrive quand même sur ce. On arrive quand même sur un beau voyage. Je trouve que c'est quand même un beau voyage avec des belles découvertes en plein milieu. Ah, bah tiens, un petit taïga là. Ah, bah alors. Wop! On m'a dit qu'on partait full sud pour l'instant, hein. Quoique un peu d'ouest. Et clairement. Ah oui, l'eau est verte. Ah oui, c'est vrai que l'eau est légèrement différente. C'est vrai que je récupérerais bien des. Mais sachez que j'en ai pas loin de la maison de la taïga. Oh! Ah bah. Oh merde.
C'est par où le sud? C'est par là? Ah putain, en plus c'est vraiment le sud. Allez, plein sud, là, on est bon. Ah ça, on a encore 1500 blocs en allant plein sud, et après, faut qu'on... Par contre, après, les blocs vers l'est, on en a 3000. J'ai vu une abeille. Un petit chemin par là-bas. Ça, on a dû le voir au loin tout à l'heure en arrivant. Oh! De la pastèque! De la pastèque! Clairement, un truc où on avait besoin, de la pastèque. Continue d'aller vers le sud. Oh, c'est incroyable. Non, mais c'est... Alors, le cacao, oui, mais non. J'en fous en vrai. On est dans un biome de jungle, on en trouve un dans le coin et puis pas loin de la baraque. La bambou forest, si on tombe sur un panda, je hurlerai. C'est un... Non. Paf pastèque, exactement. Et un biome champi... Putain, mais des champis rouges, il y en a au moins? Il y a des... S'il y a des champis rouges, ça devient... On va commencer à monter... à manquer vraiment... De matos. Non, et toujours vers le sud. Cette game. Oula, pourquoi j'ai tant de messages? Qui c'est qui m'envoie des messages de merde? Vérifie juste un truc quand même par acquis de conscience et mes horaires de demain. Ah là, parfait. Ah, c'est bon, on est bon niveau stream. Je suis pas un grand fan de pastèque, perso, du moins. Quand c'est en mode flavor et compagnie, oui, bon, on peut. Je peux dire ok à de la pastèque, mais en soi. Le fruit en lui-même, voilà. Je suis un peu mitigé. Pas comme lâcher que ça. Oh là 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 là, cette petite. Cette petite île là, tu te fais ta petite maison, bref. Mais ouais, non, la pastèque, c'est pas mon. Melon, il n'y a pas de souci. Un bon melon, je suis heureux, mais pastèque, c'est offert, c'est cool, sinon. J'irai pas en acheter comme ça. J'irai peut-être pas en acheter, ou alors vraiment, c'est qu'il y a une raison particulière. Quoique, je l'ai fait une fois, ça, acheter de la pastèque, non? Non, j'ai acheté du melon. Oula, il y a de la neige là-haut sur cette terre de la Tega. Ah non, mais ce petit coin-là. Il y a un petit côté Sonic en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est vrai que le jeu, il a.
Quand tu prends la dirt, ou tu prends certains, le biome terracotta, mais fait avec ça, préfères la pastèque au melon? Moi, je préfère le melon à la pastèque, mais quelque chose que j'aime bien, le melon aussi. J'en ai pas bouffé cet été, j'avoue. Ah, j'entendais clic, 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 clic. J'en ai pas mangé cet été. Ah bah, que j'en ai pas bouffé du melon, tiens. Je sais pas si c'est là, on est en octobre, je doute, je crois que c'est pas cette saison. Si, il y a un truc que j'avais commencé à tuer à l'époque quand j'ai commencé à avoir mon appart, avec le Covid, et puis aussi là, j'ai eu l'occasion d'en avoir pour pas cher, c'était les clémentines. Pourtant, pourtant l'orange, vraiment les clémentines. Comment ça, c'est très grave de préférer la pastèque au melon? Bah non, c'est pas très grave. Une gravité là-dedans. Oh là là, on va vraiment faire des duels. T'aimes la pastèque, t'aimes pas le melon, t'es un connard. On en est vraiment là? Vous allez vraiment me faire ce coup-là? On a esquivé tous les débats de merde et vous arrivez à me sortir un pastèque versus melon? Non. Les deux sont bons, hein. Après, bon, les. Par contre, la pastèque en goût, on va dire synthétique. Entre guillemets, mais du moins en goût pour des produits qui, en dehors du fruit en lui-même, la pastèque est quand même plus puissante que le melon, du moins est quand même mieux faite, je trouve. On était chez lui en bas, qu'on mangeait tous les repas en entrée. Ah bah oui, tu m'étonnes, au bout d'un moment, t'en as ras le cul, quoi. Melon. Ouais, après, j'aime bien arriver. J'appelle ça le paradis, ouais, bon. Quand il dit que ses vacances, elles durent 3 mois, tu vois l'idée, quoi. Moi, je vois bien le. Je vais chez mon grand-père pendant 2 mois, boum. 2 mois de. 2 mois à bouffer ça ou 1 mois complet, ouais, je peux comprendre que t'en aies ras-le-bol. Mais tout ça pour dire que, ouais. Par contre, au niveau des goûts refaits et autres, c'est vrai que la pastèque est plus prenante et plus significative. En glace, par contre, j'ai jamais goûté de glace à la pastèque. Quoique j'ai dû goûter, mais ça doit être pas mal. La glace au melon qu'ils avaient chez Picard, ils avaient une glace au melon. Alors je parle qu'ils ont l'été surtout ces petits, alors ces petites boîtes à quasiment 7 balles les 500 millilitres et encore dans les 400 millilitres, je crois que c'est. Bref, ça coûte un bras et demi. Par contre, le melon dedans est incroyable. Hein, le citron aussi, c'est du. Il y a une glace au yaourt. Ah oh, bah tiens, de la neige. Biome de neige, ça faisait longtemps qu'on n'était pas allé dans un biome de neige de merde. Je rappelle que premier biome, biome de glace et compagnie, un peu des enfers. On en est. Oh là, on est trop loin là, non? 2900. Ah oui, on est descendu trop loin au sud. Faut qu'on revienne à. Faut qu'on aille à l'ouest maintenant. Faut qu'on remonte un petit peu en plus. À la glace au melon, bah chez Pika, ils en ont peut-être encore. Ils doivent avoir des fonds d'œufs, si jamais ils en ont encore. Alors, je parle pas de la glace au melon classique, j'ai jamais goûté les gros bacs de 1 litre Picard. Mais l'autre, c'était pas la fabrique des glaces, c'était la. Fabrique des glaces, c'était. Ah, bah tiens, bah ça aussi, c'est intéressant. DB. Qu'est-ce que je vais lâcher encore comme connerie, là, à force. Avant, j'ai plus rien à lâcher, moi. À force, je commence vraiment à plus. Bref, ma cobble, quoi. Mes petites baies là, mes petites sweet berries. Sweet berries, I'm made of this. Ah, glace au melon, c'est incroyable, mais c'est là. Oh putain, je sais plus ce que c'est, mais c'est. En gros, pour dire, c'est des glaces qui coûtent cher chez Picard, en pot et ces petits pots carrés. Mais je me tuais à la glace au yaourt à l'époque. Par contre, défaut de glace au melon et citron, c'est de la. Oui, je sais que ça se replante, c'est pour ça que je l'ai pris. Mais je sais pas si ça pousse. Pardon. Ah, j'ai un rappel. Mon corps, il m'a dit oula. Je sais pas si ça se. Si ça pousse ou si c'est vraiment juste du replanter pour replanter ces conneries. Mais donc je disais oui. Ah, ça pousse aussi, ok. C'est bien. En gros, voilà.
Niveau de Picard, ouais, c'était. Par contre, c'était cher. Le litre de glace, ça allait. Oh là. Oh là, mais je me sens pas bien là. Où j'ai plein est et 2920, on n'est pas trop mal. Et ben, vous savez quoi, hein? Ah, par contre, c'est. Ouais, ce rose, bon, on s'en fout en vérité. Je pense que juste le bois en lui-même, par contre, il est incroyable, ce bois un peu noir. Le cerisier. Fou. Mais là, franchement, la pêche a été très bonne, je trouve, hein, en termes de. En général. Bon. De toute façon, là, il faut qu'on passe un plein ouest. On a 3000 blocs, on a 2000 blocs à couvrir. L'objectif, c'est de rentrer et de voir où est-ce qu'on va installer tout ça, parce que franchement, la pépinière qu'on a là, elle est ridicule. Elle est ridicule. Et puis clairement là je peux plus rien me. J'ai un espace parce que je me suis. J'ai mon bateau dans la main. En fait j'ai mon bateau donc j'ai plus d'espace. Non là on est bien, hein. Il manquerait plus de faire des shulkers et puis c'est. Il manquerait plus qu'un petit shulker et puis là c'est parti, c'est la fête. Hein. Mais bon là on est. Le jour où on a des shulkers, c'est qu'on a fini le jeu, hein, clairement. Ce qui pourrait être drôle, c'est qu'à l'issue de l'aventure, on. Je mette la map sur un. Que je vous mette la map en DL et que vous puissiez vous amuser. Ou alors que je refasse un serveur Minecraft de multi où vous pouvez venir et puis qu'on farme le jeu à plus savoir quoi en faire. Par contre, je ferai pas la connerie que j'ai fait sur le serveur que j'avais fait où je vous limitais avec des enclos et tout. Hein. Là, ça sera en mode démerdez-vous, faites votre vie. Faites les cons. Parce que c'est vrai que ça c'était le gros défaut, je disais voilà, t'as ton enclos, démerde-toi, alors que non, faut pas. Mais ça c'est un peu mon. C'était mon erreur à l'époque. Hein. Je l'ai bien remarqué à la fin, nous on avait la super grosse baraque et vous aviez des enclos de 16 par 16. J'étais en mode ouais non. Ah! Full flotte, c'est parti! On a 1500 blocs à couvrir, c'est parti. Non mais au secours, encore un biome champi. Par contre, je trouve qu'il y a moins d'épaves qu'avant. Moi, je suis tombé sur beaucoup moins d'épaves qu'avant. Quoique sur l'autre serveur, j'en avais trouvé plein, mais je trouve que là, j'en trouve moins. On va se tenter le voyage de nuit. Ah, je vois du melon. De la pastèque, je veux dire. Non, on va pas se tenter le voyage de nuit, ça va pas être possible. Allez, direction l'ouest, c'est parti! De 1760. On est pas mal là en termes de.
Ouais, qu'on remonte un petit peu comme ça, mais on est bon, on est bon. Je n'ose même pas imaginer si j'ai des élytras, combien de... Comment qu'on va voyager, mais les élytras, c'est pareil, c'est post-Ender Dragon. Quoi qu'il y ait les moyens de passer outre tout ça et en fait de ne pas vaincre l'Ender Dragon ou le faire respawn. Ah mais quand même des beaux paysages. Pas de truc particulier là en bas. Hein. Ah, s'il y aura un petit temple au milieu là, je ferais. Non, non, non. Ah, ça aussi. C'est aussi une belle zone. Hein. Ça me rappelle un peu le stream Minecraft que je faisais à l'époque et puis le concept du moins. Fait qu'il y ait ça là, ça indique pas qu'il y a quelque chose en particulier dans le coin. Non, ça va. Quoi qu'il y a peut-être moyen, mais bon. Je me demande si j'ai pas déjà visité cette zone-là ou si j'ai pas fait le début de... Non, c'est une plante. Je crois qu'on... 3008, 3000... Ah, 3004... Si, si, on commence à reconnaître. Ça, c'est une zone que j'ai dû visiter. Ça, c'est un endroit que j'ai visité, je pense. Quand je suis parti vers le sud-est. Ouais, sud-est. Ça veut dire que ma maison est par là, en gros. De toute façon, 3600, 2700... ouais, on est pas loin de la baraque, hein. Ah bah, eh. Je vous avais dit que je reconnaissais la zone. Putain, on aurait de quoi faire... Putain, mais la pépinière, le problème... On a tellement de sable de ce côté-là. Après, on pourrait se faire un énorme truc là-bas, hein, mais bon... Le fait qu'on ait les pastèques, les baies, ça veut dire qu'il va falloir qu'on agrandisse la zone. Et j'ai pas assez de dirt pour ça. Allez, on va aller poser nos trouvailles. On a atteint l'objectif principal, visiter. Niveau bouffe, ça. Les trucs qui valent du pognon là, bah clairement. Beaucoup trop de trucs. Ça, c'est pour le bois et ça. Alors, des barils. Ça, bref. Les barils sur lesquels on peut aussi faire du stockage. Voilà. Je trouve que ça rend stylé comme ça. Une petite table de craft nulle. Table de cartographie qu'on va se mettre ici pour le moment. Ah, quoi que le stone cutter. Ouais, il va falloir que je crée une nouvelle pièce, hein. Quoi qu'en vrai. Ah, c'est amusant ça. Avec un joli ponton en bois qui passe au-dessus de l'eau, ça peut être chouette en effet. De quoi?
Fronton en bois, où ça? Et oui, en plus, mon baril fait office de stockage. Ah, pour atteindre l'autre rive. Ah oui, ça peut être rigolo. C'est vrai que de ce côté-là-bas, on pourrait s'amuser à faire un pont en bois pour faire une pépinière vénère. On va avoir une idée un peu nulle, mais du moins j'ai une idée pour l'instant. J'ai une idée qui va foutre un peu le bordel, mais qui va être sympa. Alors, là j'ai déjà mon champ de houx. Comment ça, c'est du houx sapling ça aussi? Oui, non, c'est légal. Ah, j'ai que du birch. Ouais, putain, reviens par là, toi. D'aller faire pousser, hein, voilà. Mais t'as le ponton qui irait en face pour faire la pépinière là-bas. Oh non, deux, je n'ai même pas mené tout le travail. Ben voilà! C'était un bon stream sur lequel on va s'arrêter tranquillement.